Oh salut Shoottime, ça va ou quoi? Achète tes V-Bucks. Au pire, ouais. C'est vas-y. Wesh les craps, c'est Shoottime, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Donc avant de commencer la vidéo, tout simplement, le Discord est dans la description, n'hésitez pas à venir en masse. Tous les jours pratiquement on fait des events et puis vous pouvez aussi gagner des grades tout en accédant à nos channels grâce à ces grades. Donc voilà, le lien sera dans la description. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que je suis exactement deux youtubeurs, dont deux que j'ai été intrigué par leur miniature parce que je trouvais ça vachement stylé. Par exemple, c'est ce texte là. Donc voilà, vraiment je trouve la miniature, elle est vraiment stylée. Donc je regarde pas forcément ces vidéos, mais j'étais quand même intrigué parce que je trouve ces miniatures vraiment jolies. Et donc je lui ai commenté tout simplement. Je lui ai demandé c'est quoi le pack qu'il utilisait pour les textes de ces miniatures. Ouais, donc là j'ai marqué en langage chinois, désolé. Et tout simplement il m'a dit on utilise un GFX. Donc j'ai demandé qui c'est, il m'a pas répondu. Mais en faisant des recherches, je suis tombé sur une autre chaîne auquel il a quasiment les mêmes miniatures. Enfin les mêmes. Attention, il n'y a pas de copier-coller ou quoi que ce soit. Mais j'ai vu qu'il y avait le même texte, etc. Donc pareil. Donc là, j'ai pas commenté, etc. Parce que après, j'ai fait des recherches, tout ça. Et on m'a dit qui c'était en fin de compte. Donc j'ai trouvé la personne. Et tout simplement, cette personne, je lui ai demandé s'il pouvait me le dropper, un truc comme ça. Il m'a dit que non, tout ça. Donc je vais vous faire voir tout simplement. Juste le texte hein, de base. Je l'aurais peut-être rémunéré pour le texte. Je lui avais même proposé. Et il a refusé. Juste après, je lui demande si c'est toujours. J'accepte comme quoi la proposition qu'il m'a fait. Des miniatures gratuites, 5 miniatures gratuites, je crois. Mais maintenant, il me redemande de l'argent. Donc là, j'ai quand même trouvé ça louche. Donc je lui dis ah bah tant pis, merci quand même. Voilà. Mec, tu veux pas me dropper le pack, sérieux? Non. D'accord. Je dis bah tu me laisses pas le choix. Et en fait, ce que j'ai fait moi, c'est tout simplement. Voilà, je vais vous faire voir. Avant de vous faire voir le truc en question. Donc voilà, tout simplement, c'est que moi, j'ai reproduit le pack, c'est-à-dire j'ai reproduit le texte, j'ai fait de nombreuses tentatives, et j'en suis arrivé là. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire le texte que je voulais, mais au passage, j'ai reproduit le style de miniature qui a été fait par les vidéos que je vous ai fait voir précédemment de youtubeurs. Donc j'ai fait pareil, mais pour lui donner une leçon. 10 likes. Non, vous savez quoi? On va demander plus vu que c'est qu'un pack. Si vous me donnez 15 likes, je vous drop le pack. Je vous fais même une vidéo de présentation du pack. Et quand je vais présenter, vous aurez le lien dans la description. Il n'y a pas de souci. Le mec, il a dit... Ah, déjà, il a parlé en majuscule. Ça veut dire que lui-même, il était choqué, quoi, que j'ai reproduit le pack. Et voilà, donc la morale de cette vidéo, c'est faites attention à ceux qui prétendent être GFX, qu'alors qu'ils utilisent des packs gratuits et qu'ils vous font payer. Donc ça sert à rien, tout simplement vous faites arnaquer, donc voilà. Hein. Faut pas se précipiter, donc comme je l'ai dit, si vous voulez le pack en question, tout simplement, moi je vous drop à 15 likes. À 15 likes, tac, je vous fais une vidéo présentation du pack, c'est-à-dire je vais bien le détailler, donc là je vais le créer, c'est-à-dire là je l'ai fait à l'arrache pour lui donner une petite leçon à ce graphiste. Donc là je vais bien le détailler, je vais bien modeler le pack pour vous, donc voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Ciao, ciao. We get sap on the